Ah, il faut aussi voir le jeu. À skip. Voilà, donc c'était ce fanname là que j'ai effacé tout à l'heure, ce qui fait que, en fait, pour récupérer un des items beaucoup plus rapidement, j'ai besoin de faire, de connaître le code des Bombers. Et pour ça, donc, j'ai besoin d'une ancienne sauvegarde. Allez, j'ai besoin d'une ancienne sauvegarde puisque, contrairement, le code des Bombers est créé et fixe au moment de la création du fanname. Voilà. Maintenant que je pense que tout est dit, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui. Et dernière petite chose, non pas cocasse. Dès que vous voyez Miko en train de marcher, enfin dès que vous voyez Miko dans l'eau, baissez le son. Voilà. Maintenant je pense que tout le monde est prêt. Vous allez pouvoir donc maintenant admirer cette magnifique run et surtout les magnifiques sons que va vous produire la split. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Dans 3, 2, 1. Mais je connais le BA, je fais le 100%. Hein. Alors, joie du randomizer, vous allez remarquer que, eh oui, l'intro est beaucoup plus courte. L'intro est beaucoup plus courte et toutes les cutscenes sont bien plus courtes aussi, puisque tout le texte apparaît en une seule frame. Ce qui fait que cela raccourcit énormément le jeu et que donc il y a plus d'action. Alors sinon du coup vous risquez de vous dire oui mais du coup attends je suis sur la VRS c'est pas beau voilà mais du coup puisque techniquement tu as pas l'intro qui dure à peu près 20 minutes et que tu connais l'emplacement du système à l'avance qui sont sûrement bien arrangés mais dis-moi Marshall, pourquoi ton PB n'est que de 1h40 alors que tu pourrais faire beaucoup mieux? Bah c'est ça, c'est parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont compliqués à faire, il y a pas mal de choses un peu beaucoup plus compliquées et tout. Et puis non mais voilà, c'est le jeu est aussi assez dur, il y a des trucs assez compliqués, en plus la version américaine, il y a des trucs qui sont beaucoup plus durs à faire. Alors du coup voilà, hein, j'en fais trop? D'accord. Et merci beaucoup pour le host, Monsieur Code Green. Et du coup, moi je suis content. L'alerte marche toujours. Et donc là, ici, je vais donc. J'ai donc enclenché. Enfin, j'ai enclenché la première scène qui va me permettre de récupérer et le champ de l'apaisement et le massif Mojo. Tiens, d'ailleurs, comment ça je ne hoste plus là? Oh, merci beaucoup, ma chère Lebois, pour la host. Il n'y a rien, mais tu es trop beau, mais toi aussi, oh. Et voilà, et donc, du coup, grâce à ça, j'ai pu récupérer le masque Mojo. Ah non! Alors, petit détail assez rigolo, il faut savoir que le Zora se déplace bien plus vite que le Link normal, donc je vais essayer autant que possible de me balader en Link Zora, tout simplement. Et oui, qu'est-ce qu'il est sympa ce Marshall, franchement. Ici pour gagner du temps, oui, 360p source parce que malheureusement, en plus, j'ai déjà perdu des images, c'est rigolo. Parce que malheureusement, ma connexion ne le permet pas. Oui, c'est bon, c'est personnel parce que je veux.
Les gainers, parlons-en. Le glitchless, quoi. Alors ici donc nous allons récupérer les items qui ne sont pas random du début, c'est-à-dire le premier sac de bombes ainsi que les bombes chaud. Et nous allons tout de suite faire quelque chose de très sympa avec ces bombes chaud. L'un des tricks les plus abusés sera fait dès le début. Ici, alors, je vais pas pouvoir tout expliquer rapidement parce qu'il va se passer déjà pas mal de choses, mais ici nous faisons un ISG, ce qui permet de donner un coup d'épée à chaque frame du jeu. Et là, je vais me servir de ça pour pouvoir littéralement voler. Ici. Ensuite, pour aller chercher cette statue qui n'existe pas normalement dans le jeu. On attend bien qu'elle se déploie et on s'en va. Alors, ceci va me servir pour un glitch plus tard. Enfin, parce que là, le glitch, dans un sens, est déjà actif, mais il me faut le champ de l'envol pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, je vais donc aller chercher ce que donc, pourquoi j'ai... Alors, du coup, le code, c'est quoi? Parce que c'est une connerie. Ah, putain, je me déteste. Voilà. Ah, vous voulez pas trop parler par contre. Alors, l'IRG permet de ne pas tomber, car on donne un coup d'épée, on ne tombe pas. C'est un poil différent dans la version US, puisque du coup, il y a un truc que je ne peux pas faire. Qui utilisait le fait de taper pour pas tomber. Donc ici, je vais juste récupérer ce coffre pour récupérer 100 revues de plus. Puisque le désavantage que j'ai par rapport aux autres nerfs, c'est que moi, bah, je n'ai pas d'argent dans la banque. Et donc du coup, bah, quand j'ai donné le code, et bah, les bombers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement me donner leur notebook. Ah, je veux mourir. Mais non Flo, pourquoi tu veux mourir? Alors le notebook est devenu un tout petit peu plus tranchant, je dois l'avouer. Je m'y attendais pas, les enfants ici sont assez dangereux quand même. Franchement. Je suis assez choqué moi-même. Donc ici, je vais aller rechercher, du coup avec l'argent que j'ai récupéré, je vais aller rechercher 10 bombes choux. Et je vais tout simplement m'en aller de Capcom, puisque je n'ai plus rien à y faire pour le moment. Cela m'a fait exactement. Maintenant de pouvoir équiper Karina parce que j'en aurais besoin pour un petit trick que l'on ne voit plus en ennemi pourcent, mais que moi malheureusement je n'ai aucun avantage à faire les gros towers puisque je ne peux pas récupérer la sonate. Pour ceux qui connaissent l'ennemi pourcent normal, la sonate je ne peux pas la récupérer puisqu'il faut le masque mojo pour ça. Donc nous allons voir ici un ancien glitch, excusez-moi, qui a été fait il y a très longtemps et mes super slides sont ultra mauvais. Et le time stop. Donc ici le temps est totalement arrêté et du coup cela me permet de skip une cutscene très très longue que normalement on voit ici. C'est donc non, je ne suis pas sur Emu, je suis sur PC. C'est pour ça qu'on d'ailleurs on voit les cinématiques. De toute façon, de manière générale, quand vous voyez un runner de Majora's Mask, c'est très rare que ce soit sur émulateur. Parce que le jeu n'est pas stable. Malheureusement,
Et merci beaucoup Draconique qui est devenu souple à son tour. Désolé si j'ai oublié le nom de celui d'avant. Ah, j'aime bien le plus 0-0, je n'avais pas remarqué. Donc oui, la sonate de l'éveil que je ne peux pas récupérer car il faut le masque mojo. Malheureusement, c'est bien dommage. Donc ici, je tue pour récupérer un bâton mojo et... Ah, d'accord, c'est pas grave, je ne m'y attendais pas. Maintenant, je vais tuer pour récupérer une noix mojo et... Ah! Dis donc. Si c'était pas ce que j'avais vu. Bon, alors les super saiyans, apparemment, ce sera non. Hein, Très bien. Tu m'en veux pas si tu veux dormir? Si, complètement. De toute façon, ne vous inquiétez pas, Vermico, vous ne pourrez plus dormir. Alors... Soi-disant, dans les buissons des voies perdues, il y a plus de chances de trouver des rubis bleus. Voilà, hein, ceci donc est bel et bien un rubis bleu. Hein. Celui-là aussi. Hein. Ah, ah d'accord. Ah, ah, bah, ok. Très bien. Ah, bah, du coup, voilà, je me suis niqué dans la route. Putain. Ouais. On est content. Ceci est toujours un rubis bleu. Lui aussi. Ah, je vous l'avais prévu, j'étais revers. Donc ici, nous allons donc voir une des sœurs tout droit. Il nous dit qu'elle est pas bien, que donc elle a besoin d'une pourse rouge. Nous allons tout de suite aller la sauver, bien évidemment. La pauvre. N'oubliez pas les enfants. Il faut toujours aller sauver les grand-mères sorcières qui sont abandonnées dans la forêt et qui ont besoin de pourse rouge. Il faut toujours les aider. Donc là, du coup, bah, je préviens sa sœur que... Oh là là, sa sœur ne va pas très bien. Du coup, elle me donne une pourse rouge. Que... Je vais en profiter tout de suite pour équiper. Voilà, et... Non ! Oh le con ! Oh le con ! Bon, bah écoute, tant pis, on va acheter 3 potions vertes, alors. Je dirais même 4. Bon, bah tant pis, hein, désolé. Bon, j'irai la sauver une autre fois, hein, tant pis, c'est pas grave. Ça arrive, c'est les accidents. Alors ne vous inquiétez pas, oui oui c'était prévu ce qui s'est passé. Maintenant nous allons passer par ici. On va profiter du Zora pour pouvoir tuer le Big Octo qui pointe ici. Et donc pouvoir faire un gros passage en force ici. Voilà. Oh mais pourquoi j'ai pas de bouteille de lait, je comprends pas. Ici, on retourne avec des hovers. De toute façon, les hovers, vous risquez d'en voir énormément dans ce jeu. Dans tous les cas, puisque les hovers sont incroyablement simples à faire, contrairement à ceux d'autres. Ouais, ouais, j'ai bien fait de la jouer safe, putain. Presque aussi bon qu'Ama sur ça. Eh oui. C'est donc ça le fameux glitches, évidemment. Eh oui, c'est du glitches que vous voyez actuellement. Oh.
mais dis-moi, c'est qui fait à cette heure? Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il était comme que Maron était présente assez tôt, donc je suis un petit peu fatigué. Donc je ne sais pas vous, mais je vais aller réserver une chambre dans l'auberge. Parce que franchement, au cas où je m'endors, au moins je pourrais m'endormir dans un petit lit tranquillement. Puis regardez cet homme fou qui passe devant les gens à la file d'attente. Allez hop là. Bonjour, je voudrais une chambre. Voilà. Trop bizarre vos clés quand même. Sont bizarres leurs clés quand même. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je dirais même, je sais pas ce que vous en disiez, mais. Alors oui, du coup, le fait que j'ai activé le hibou derrière m'a permis. Oh, Super Slide! M'a permis de. Donc, je peux donc warper. Pardon. Je peux donc warper absolument sur toutes les statues possibles. Wow! T'as raison. Il est passé au-dessus, le meuble. N'importe quoi. Avec le hibou donc que j'avais activé en faisant les over, celui-ci a. Oula! A déclenché l'index war, l'index Elitch, et du coup, appelez-le comme vous voulez, il a plein de petits noms, c'est mignon. Ceci est un super sage, je vous promets. Hein. Voilà qui me permet de, suivant où est le pointeur. Sur la carte de pouvoir le... Ah, j'ai loupé le truc de rien. Oh, sérieusement, merci la caméra, je te kiffe par là. Et merci Kinderman qui est donc devenu souple à son tour. Ici, donc dans ce buisson là, on récupère les bombes puisqu'elles sont gratuites, hein. On ne va pas s'en priver. Hop là, maintenant, nous mettons le pointeur sur Grand Village, qui va donc me permettre de me warper à un endroit où habituellement il est très chiant d'y aller, en Stone Tower, tout simplement. Donc oui, l'index pouvoir a quand même permis de gagner énormément de temps quand ça a été découvert. C'est ça ce qui résume très bien les situations, c'est beau. Alors, niveau vie quand même, voilà. Donc, dans Stone Tower, j'en profite pour aller tout simplement en bas directement. Stone Tower, ce n'est pas pour tout de suite. Même si techniquement, j'ai tous les items pour le faire. Il y a des coffres fixes, il y a des items qui sont fixes dans le randomizer, le Lens of True en faisait partie. Bien évidemment. Voilà, donc j'ai bien fait récupérer de la vie avant. Sinon là, j'aurais pas... Sérieusement ? Mais non ! Je voulais pas avoir la caméra comme ça. Bon, très bien. Allez, c'est parti. Le jeu... qui a décidé. Bon, ça va, j'ai réussi mes coups malgré tout. Donc oui, on peut tout simplement clip dans cette maison, hein, au lieu de faire toute la quête de récupérer le champ des tempêtes, je crois. Le champ des tempêtes, le fer dans la grotte, voir la pire cutscene du jeu. Eh, salut Sanzo. Eh oui, il m'a pas menti, il était là. Oh putain de merde! Oh la vache!
génial. Faut pas être énervé comme ça, Marco, voyons. Franchement. Là, du coup, je me sers une nouvelle fois d'un défi pour pouvoir aller directement à Great Bay pour aller voir Miko. N'oubliez pas l'avertissement que je vous ai donné au début. Et ah oui, ça c'est rigolo. Nous allons sauver Miko. On n'est pas Miko. Alors, ici il y a un petit skip que je peux tenter. Parfait. Donc ici, en avançant le temps, Miko va commencer à marcher, donc cela va skip toute la phase où il marche. Qui est assez longue. Du coup, il est directement au sol là-bas. Béa le hammer. Des putains de merde! C'est incroyable! Vous êtes bien chaud! Wow! Comme on dit chez moi, on fait qu'est-ce qu'on peut, hein? Leila qui avait absolument tenu, qui voulait absolument voir le moment où j'allais sauver Miko. Je l'avais un tout petit peu teasé, il est vrai. Et donc du coup, le fait d'avoir sauvé Miko nous a donné le masque Mojo, que je vais tout de suite me servir pour vider toutes mes bouteilles de lait. Petit truc ici. Équiper un autre masque avant d'équiper un masque qu'on n'a toujours pas équipé pour un fin permet de skip l'animation où on met pour la première fois le masque du jeu. Et le Mojo, lui, vide les bouteilles à une vitesse folle. Maintenant que mes bouteilles sont libres, j'ai besoin de ça et de ça. Nickel. Ah, ce super soldat là quand il passe, généralement on est assez content. J'aurais pu continuer, je pensais que c'était mal barré. Ah ouais, mais en fait j'avais l'angle parfait. Oh, si j'avais su. Ah oui, et aussi vous avez pu remarquer, mais enfin Marshall, tu n'as pas repart de magie. Mais si, en fait j'ai magie limitée pour le moment. Si le jeu considère que j'ai une magie négative pour le moment, bah il considère que la magie n'atteint pas 0 en fait. Et que donc du coup, je peux utiliser les pics du Goron, l'attaque Zora, les flèches élémentaires de manière illimitée. Par contre, allez savoir pourquoi, je ne peux pas utiliser la fin trousse. Assez chiant du jeu, ok, on a toujours pas trouvé de skip
c'est capturer les œufs. Ah oui, et les œufs ne sont pas random dans le jeu, sinon ce serait complètement horrible. C'est-à-dire que des fois, suivant les phases, suivant les seeds, le jeu peut être très dur à finir. Alors en plus, si on faisait en si les œufs étaient random, ça pourrait même être impossible. Tiens, les super saiyans passent tous par le conseil. Eh, merci beaucoup, Riggy Petit Foyer. Ceci était un nom que j'ai beaucoup massacré, c'est beau. Et merci beaucoup à Pizza Bolayer. Vous êtes tous restés, vous êtes tous devenus sous, c'est beau. Ici, en étant assez loin, on n'a pas à activer le trigger qui nous montre une cinématique en bas. On peut donc directement faire ceci. Et du fait que j'ai déjà le grappin, je peux en profiter pour faire un trick que normalement je ne vois jamais ici. Je n'ai plus de bombe d'équiper. Voilà. Ok. Oh ça, oula, c'est bon. Sérieux? Ah, on va abandonner cette technique. Ok, bon bah tant pis, vous ne verrez pas le Warchus ici. Dommage. On pouvait le Warchus et du coup arriver directement au-dessus de l'aquarium. Malheureusement, je n'ai pas réussi parce que je suis un... comme on dit dans le jargon, un gros sac. Complètement bugué ce mob. Et oui, peut-être beaucoup plus simple quand on a directement le hookshot. D'ailleurs, cette fois, on peut directement hookshot le coffre quand on entre, mais malheureusement, ça le déclenche quand même les gars. Et merci beaucoup, Thomas, qui est devenu souple également. Oh, mais ce truc qui m'énerve! Sérieux! Tant pis. Donc du coup, pas le choix de récupérer les cœurs. Cette phase-là est assez longue et chiante, donc là pour le coup... Ah, j'en pense. Elle récupérer les œufs, c'est assez long. De toute façon, tout ce speed-là ne consiste qu'à récupérer les œufs. Vous pouvez remarquer que pour le moment, mon best est à 16 minutes, 17 minutes même. Et que bon, là, je suis pas parti pour le ban. Ici, petit saut assez sympa, qui permet de skip une petite partie. Alors, équipe aux oranges, merci. Voilà, je vais donc pas récupérer de poisson. Ceci est donc une victoire, parce que si je récupère une poisson, ma run est littéralement morte. Puisque oui, tous les poissons veulent me donner autre chose. Et cette autre chose, personne ne veut le voir.
Et si nous allons équiper la grande épée d'effet, la Zephyr Sword, qui permet de faire beaucoup plus de dégâts que notre épée de base. Parce qu'il faut savoir que dans la version US, par contre, un des glitches les plus fréquents et les plus utilisés, même en glitchless, hein, est le Power Couch Tab n'existe pas sur la version US de Majora. On profite de complètement de cette épée là pour la niquer en deux coups normalement. Hein. Voilà, normalement c'est en deux coups. Hein. Il va savoir des fois pourquoi il en faut 4, des fois il en faut 5, normalement c'est 2. Permet de sortir l'ocarina dans l'eau. Et donc vous gagnez du combo. Ici, le fait de rester dans l'eau et de sortir l'ocarina au lieu de tout simplement sortir du bassin et de jouer l'ocarina de manière basique, l'intérêt ici est un petit peu plus léger. Mais pour la zone à laquelle on va arriver, là par contre, le gain de temps va se comprendre. Donc ici, bah, on va déposer les œufs. C'est Webet. Eh oui. Très précisément, je ne sais plus, mais je crois que c'est quelque chose qui te bloque la bouteille. On pourrait dire que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle je prends une bouteille de secours. Non. Croyez-moi, cette raison-là, vous ne voulez pas savoir. Maintenant, nous allons chercher les trois derniers œufs. Alors ici, petite route pour avoir directement les bonnes anguilles. Toujours à la gauche. Donc ici, on va à gauche. Non, la Roboto ne dit pas tout pour le lait. Ah, le saut en stéréo, sérieux? Nice. Je ne savais même pas moi-même. Tout au fond de l'eau, et le fait de pouvoir sortir l'ocarina en faisant tout simplement un ISS bouteille et B
Ça permet de gagner énormément. Ici, tout chemin de retour, je n'ai pas d'affaire. Celui-là, vous n'avez peut-être pas une bonne image, mais le son, il est d'une rareté. Cet homme est fatigant. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque le son. Donc ici, petit C-skip. Là, j'ai appris le chant, mais je me casse pour ne pas avoir la cinématique. Donc juste pour que vous ayez la partie du son quand, ce qui, quand le. Salut Alex Bubba. Alex Bubba. Alex Bubba. N'oubliez pas, tiens là-bas mon stream est un stream de même. D'ailleurs, je vais laisser la VRL, au moins comme ça on voit du vert. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais réussi à best le Fire Arrow. Hein ? Alors, lui, on prend le stun parce que sinon il va nous faire chier. Tac, on récupère les insectes. Qui sont les insectes ? Ça n'a l'air de rien, mais ceci est complètement pété. Et nous allons. Direction notre premier boss. La fée. Alors cette fée là, elle te déteste, littéralement. Ce champ, j'y arriverai jamais directement. Ah oui, je ne tente plus la CS-Skip maintenant ici, je l'ai jamais la pause alors. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer. Simplement aller directement au boss. Alors il faut savoir que le trick est exactement le même à faire sur la version japonaise que sur la version américaine, sauf que sur la version japonaise il est très très simple, sur la version américaine il est extrêmement chiant. Les mouvements sont les mêmes, malheureusement le jeu est différent. Puis ils ont changé certaines mécaniques, dont le demi-tour que faisait Link quand il mettait un masque. Et à cause de ceci, le trick est devenu beaucoup plus compliqué à faire. Donc si vous me voyez de choc dessus, c'est normal. Ah oui, et de base, du coup, la deuxième CS-Skip est littéralement impossible à faire. Celle où on utilisait la fée et tout pour faire un time stop.
Impossible à faire ici. Puisque la fée ne sera pas une fée. Eh oui, une chanson, mais pas John Cena, hein. Mais vraiment c'est 16, mais dis pas tout, balance pas tous les trucs comme ça là, laisse-moi faire croire aux autres que je suis bon un petit peu, regarde, je suis devant. J'ai rien dit. Non mais en fait c'est super simple à faire hein. Pardon. Et merci sergent Andy qui est devenu sous également. Alors ce que je fais là est quand même assez risqué hein. Parce que là, une pause en trop. Et c'est littéralement je crache. Ouais, alors dernier essai. Parce que parti comme c'est parti, là apparemment mes pauses c'est pas trop simple. Ok, c'est mort. Non, puis de toute façon le boss ne sait jamais où il est ici. Stream là, bah après je peux le mettre un peu. Non, on va le mettre là pour la suite. Et bonjour Nusa. Ici normalement, si j'avais réussi mon workshot, il était possible de toucher à l'arc le boss et que donc de ne pas déclencher cette cinématique là. Le problème, c'est que les workshots sur la version US ont fait une erreur d'une frame, une seule. Des crash et je perds 41 minutes. C'est pour ça que du coup j'essaie de pas trop m'attarder ici malgré tout. Même s'il y aura des workshops qui sont obligatoires par la suite. J'ai vraiment touché le boss le dernier hit là. Oh, j'ai cru qu'on pourrait ça. Oh non! Mais pourquoi tu viens me chercher? D'habitude, le boss est gentil avec moi. Bon, bah là, j'ai pas le choix. Hein. Je vais la jouer safe. Oui, c'est pour ce genre de cas que. Quand tu veux, quand tu veux, voilà. Eh oui, marche à l'eau sur la boue, le seul, l'unique. Le boss, c'est franchement très bien passé. Hein. Bon, je me suis juste fait toucher, mais ça c'est dommage, c'est... Voilà. Et sinon, le boss, là, franchement, je suis content de moi, je suis très bien géré. D'ailleurs, ceux qui ont dû voir mes précédents trucs, ils doivent être choqués, parce que... Je ne sais pas trop comment ça se passe habituellement. Hein. Oh putain de merde! Oh la vache! Alors, celle-là, elle est absolument géniale! Du coup, ce qui fait que sur le personal best, je suis devant. Ça va pas rester longtemps. Parce que Troll Mold n'a pas ce nom pour rien. Mmh.
quand même, merci Scum, pas de soucis, merci d'être passé. Eh oui, je cachais bien mon jeu en fait. Hein. Non mais en vrai, mon estimé de 2 heures, malheureusement, si les trucs que j'ai traînés se passent comme prévu, c'est-à-dire qu'ils se passent bien quoi, l'estimé je le détruis en fait. C'est ce qui peut se passer quoi. Et oui, j'ai. Mais non, je n'ai pas pause durant Miko, voyons. Sinon, j'arrive. En fait, depuis que j'ai mis le passage de Miko, tout ce que vous voyez à présent est une VOD. Tout ça a été fait à l'avance. Je vous mentirai donc. Nous avons donc maintenant appris le chant. L'autre de l'appel, je sais plus c'est quoi le nom en français. L'autre de l'appel, je crois, c'est en français. Il va donc nous permettre d'appeler les gens plus tard. Et il faut savoir, c'est qu'il faut au moins regarder une de ces cinématiques là, puisque les autres, si tout se passe bien, je vais toutes les skip. Ah, je n'ai pas l'ocarina du tout. Nous allons maintenant retourner à ce temps. Pour aller tout simplement faire Stone Tower. Mais, petite particularité, vous n'allez même pas voir Stone Tower. Vous allez voir la Stone Tower, tout simplement. Puisque, bah, j'ai déjà les lactéros, donc pourquoi s'en priver ? Retourne-nous directement le temps. Bon, malheureusement, merde, c'est bon, parce qu'on est ici. Bah, voilà. Alors, comme promis, voici à quoi vont me servir les insectes. Qu'ils soient prêts pas le beau corps. Exactement. Ah, donc les insectes me permettent ici de faire un time stop. De faire donc en sorte que le truc reste en place et que dès que je désactive le time stop, me permet d'aller directement de l'autre côté. Il faut savoir que du coup, les insectes ici, fun fact, ont une valeur de 15 bombes chaudes. Ah, ceci n'était pas prévu. Raté. Oh, ça il est pas passé celui-là. Arrête. Nice. Voilà, ceci est donc à voir. Normalement, si vous deux... Je pense que si vous avez déjà vu OOT, vous connaissez ce truc. Peux-tu BA le Hammer? Ah, si je pouvais BA le Hammer, je l'aurais déjà fait. Il faut respecter le même. D'ailleurs, pendant un temps, j'avais hésité à remplacer mon bouton B par un bouton Hammer. Ça... Mais au final, je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Pas de crash, bah encore heureux. Parce que si ça crache en fait, c'est mort. Je perds tout. En fait, ça peut crash après que j'ai battu Bdou. Ah, bon, comme d'habitude, hein. Enfin, pourquoi moi ça passe comme ça? Alors bien évidemment, je ne vais donc
pas aller chercher le masque des géants, puisque je crois que c'est le Circus Leader Mask ou bien Camaro Mask, donc il ne sert strictement à rien. Et c'est à partir de maintenant que la magie noire de MM va maintenant opérer, puisque vous allez voir ce qu'est qu'un Somos Time Storage. Alors, dans les fonds, c'est assez simple. Ok, je viens de niquer complètement. Je suis un génie, ma gueule. Donc, dans les fonds, c'est très simple, puisqu'il suffit de se mettre là, hop, slash, 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 hop. Voilà, boum, c'est bon. Le champ est storé. Du verbe storé. Je store, nous storons. Ouais, je pense à faire ça, je suis à chaque fois. Et donc, ici, maintenant, nous allons donc skipper la boss fight de cette manière-là. Slash, slash, slash. Hop, hop là, boum. Et voilà. Hop, et on continue. Et je suis au boss. Maintenant, le but, ça va être de tuer les boss avec les flèches. Le problème, c'est que ce boss me déteste. Il aime bien les autres honneurs, hein, sauf de temps en temps, et moi, il me déteste tout le temps. Il va tout le temps tout faire pour me faire chier. Et ceci, grâce à moi, vous allez réviser. Ceci n'était pas du tout ce que je voulais. Regardez-moi ça. On a à peine commencé le fait qu'il fonce déjà dessus. Ah non, j'ai loupé. Oh. Ah bah c'est bon. Ouais, mais t'es sérieux, mais t'es sérieux. Mais t'es sérieux. Puisque le jeu était sauvegardé au moment même où j'appuie sur oui. Et merci beaucoup Monsieur Trey qui est devenu sous à son tour la boulangerie. Elle vous évite de payer des cours de yoga. Alors, petite phase RNG de la run,
comme on apprécie. Là, ce qui va se passer ne sera pas du tout dépendant de ma volonté. Je le préviens à l'avance. Jusqu'à pour le moment, c'est toujours moi. Ça, je suis pas sûr. Je passe mal. Attends de voir la suite. La suite va vous surprendre. Donc là maintenant, nous allons chercher uniquement des bons choux. Ah, mais c'est vrai. Je suis en train de m'étouffer à moitié là. Ah. Et donc maintenant, nous allons prier que le jeu soit sympa et qu'ils veulent bien nous donner des bonbons. C'est filmé, c'est truqué bien entendu. C'est pour la télé. Ce qui me force à faire une strat glitchless. Oui, oui, tout ceci est glitchless. Merde, à chaque fois je me mens. Je sens ça, je sens ça. Ah bon, drop de flèche, nice. Là j'avoue que le drop de bombe m'a fait du bien hein. Il est assez rapide, il y a moyen que ce soit du coup un gold, je ne sais pas, parce que j'ai mon exécution qui est quand même, je m'en souviens plus. Bon, on va voir en fait. Et donc moi j'apprends la sonate au bout de 57 minutes de run, et oui. Ce sera pas un gold. Dommage. Du ring, du 1000, qui est maintenant 2 bonus. T'as pas de force quand tu joues dans les jambes. Et merci beaucoup, Jenny, qui est devenue également souple. Wow, mais c'est que c'est un follow train. Merci beaucoup, Kyle, qui est également devenu souple. Maintenant, nous allons. Ah! Ah! Nous allons tenter un petit CS kit pour pas piquer des hannetons, bien entendu. Celui-là, s'il est. S'il a raté, c'est pas grave du tout. En réalité, ça fait 4-15 jetons. C'est juste que c'est rigolo.
c'est pas grave. Comme je l'ai dit, cela ne gênait en rien du tout. Avec Gun Terrorist, ah carrément. Et le truc qui est beau, c'est qu'avec le drop de flèches que j'ai eu en plus, je n'aurai même pas à farmer les flèches. C'est beau. Et du coup. Ah mais du coup j'ai gagné du temps ici. C'est beau. Enfin gagné du temps oui et non en fait. Putain, j'allais partir pour Tezu et Slip. Flip. Donc avoir le hookshot. Merci beaucoup. New Bugs. Excuse-moi, désolé, j'ai massacré ton pseudo. Peut-être hein. Devenu sous pas ton tour. Ah bah tiens, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Ouais, j'attends maintenant, c'est que la caméra qui bouge, les mouvements sont très étranges. D'ailleurs. Eh, merci beaucoup, Israël Snake, d'être venu ici. Eh, merci beaucoup, Serge Cacao. Qui est devenu ça. Donc oui, je vais chercher la boss key parce que bah je n'ai plus de bon chou, je n'ai plus de bombe. Ah tiens d'ailleurs j'ai oublié d'équiper ça. Allez, la bonne chose. Ah bah si j'avais besoin de bombe. Bon on va en prolonger. J'ai pas le choix. Si j'ai besoin de bombes. Ah les cons. Il y a des bombes en bas, c'est bon. Ok, attends, y'en a pas là directement. Non, y'en a pas ici, j'ai pas le choix. Actuellement c'est juste moi qui suis fatigué, ce qui se passe en fait. J'ai tout simplement oublié qu'il fallait obligatoirement des bombes. Parce que j'ai une méthode pour pouvoir récupérer 30 d'un coup, mais le problème c'est que je suis obligé d'attendre. Et du coup bah j'y pense pas tout le temps. Dans le poteau.
Oh merde. Ah bah d'accord, très bien, je suis repassé de l'autre côté, tout va bien. Nous allons refaire la même chose que précédemment. Oui, j'ai un mot du médecin, c'est confirmé, j'ai le droit d'être fatigué, monsieur. Tiens, je récupérais des noms dans la route, du coup. Arrête de brain fart, s'il te plaît. Arrête de brain fart, s'il te plaît. Oh non! Alors, toi, mon gars, tu dégages tout de suite! Donc, on profite du hookshot pour pouvoir aller directement là-bas, bien entendu. Hein. Hop là, et comme bah, j'ai la clé, bah, on va l'ouvrir tout de suite. Hein. Donc, ici, je prends les flèches de feu et la graisse furissoire, sachant que les deux peuvent le tuer. Donc, en gros, c'est à ce qui ira le plus vite ici. D'ailleurs, j'avais dit quelque chose sur le fait de spammer sur la touche aide, voilà. Hop là, maintenant que j'ai commencé à toucher, on active ça. Ah là là, j'ai pas touché. Voilà, donc comme j'ai dit, c'était à ce qu'il tuerait plus vite. Hein. D'ailleurs, tu renais quoi du coup, CSS, ou je n'ai pas vu, désolé. Oh putain de merde! Oh la vache! C'est un bêche, d'accord. Alors, celle-là, elle est absolument géniale. D'accord, c'est donc un best. Ah oui, le roi lion. Désolé, je n'avais pas pu partir puisque je dormais à ce moment-là, puisque je voulais être... Si t'as pas compris, moi j'y peux rien pour toi, après. Ah oui, hein, toutes les routes vont commencer de la même manière. Enfin, tous les débuts de cycle vont commencer de la même manière parce que j'ai besoin de ces 100 revis. Eh, merci beaucoup, Ferriré, qui est devenu souple. Alors en vrai, normalement, je pense que je devrais effacer ce best puisqu'il n'est plus possible, vu que j'ai changé quelques trucs. Et que du coup, ici, je vais perdre du temps pour pouvoir en gagner plus tard. Donc ici, je prends pas beaucoup, même si je crois que j'en aurai pas besoin des 20, mais je préfère être safe. Ici, quelque chose que vous ne voyez jamais, en 10%, va se produire. Ceci va devenir réel dans cette pièce pendant quelques instants. Ah! Alors ici, cette warp, on peut penser qu'elle ne sert à rien. Mais en réalité, c'est si. Elle est très importante, cette warp. Même si tout ce que je vais faire ici, concrètement, c'est juste warper ici et dégager.
Ah, malheureusement, je n'ai pas pu voir la run de Hanibou. Je vais donc profiter de la VOD. Alors, j'en profite pour prendre des bombes. Ici, des flèches ici, voilà. Ce petit demi-tour était totalement nécessaire. Et merci beaucoup Wolfram, qui est maintenant. Je savais bien que j'avais oublié de faire quelque chose. Bah oui. J'ai oublié d'aller chercher la magie. Eh oui. Et sans la magie, malheureusement, je ne peux pas activer les Sanctus. Et donc, je ne peux pas aller chercher le masque Goron qui m'est utile pour récupérer la Lola Bay. Et voilà, nous avons la fail de la run. Je vous disais bien que ça se passait beaucoup trop bien. Allez, je pense qu'on merci pour le catch, ok, il devait juste. Et c'est donc en fait ici, le fait de ne pas faire la lullaby skip fait que je suis obligé de perdre énormément de temps, si je récupère la lullaby qui est extrêmement long. Je récupère la magie aussi, ce qui fait que du coup ça va m'handicaper puisque je n'aurai plus de magie limitée. Donc les flèches de magie complètement illimitées aussi, hein. Voilà, pour se dire. Mais le problème de la Lola Skip sur la version US, c'est qu'elle est ultra punitive. Puisqu'on ne peut pas du tout faire de la même manière que sur la version Jap. Puisque sur la version Jap, il suffit de spammer le bouton B et c'est bon, on ne tombe plus. Ce n'est pas du tout le cas sur la version US, où tu tombes directement et tu es obligé du coup de ISG. Et que donc du coup, c'est un ISG frame perfect que tu dois de... que tu... qu'il faut faire tout simplement. Alors ici, je crois que c'était là pour la vidéo. Voilà, c'était donc bel et bien l'appareil photo. Donc à défaut de faire une run optimisée, je pourrais prendre des belles photos de Majora. Descendre la barre de magie et donc de garder la magie quasiment pleine parce que je crois qu'il m'en manque. J'ai même perdu du temps sur PV, hein, sur ce speed là. Dommage. Ah oui, et pas de même pour celui-là parce que j'ai rien préparé. Voilà. Tout simplement. Thank you.
Mais où est donc le moine Lolita? Et maintenant que nous avons le Goron, bah si on passe notre restant de la vie en Goron, puisque les roulades ça va vite. Ici, petit trick assez sympa que j'ai loupé. XD. Et merci Profi Gamer qui est maintenant sous. Voilà, donc c'était ce trick là dont je parlais. Alors maintenant, nous allons chercher le labad, nous allons activer les triggers qui permettent de le faire, c'est-à-dire voir le Goron qui est en train de pleurer, à lui les parler pour lui pour savoir ce qu'il veut, et ensuite aller dégeler le papier Goron. Pour apprendre une partie de la chanson, pour ensuite pouvoir prendre la fin de la chanson. Et oui, cette partie-là sera longue et chiante. Directement voir le grand-père. Mais oh, l'humour de ce jeu, le grand-père est un grand-père, il est donc vieux, il ne se rappelle donc plus de la chanson. L'humour de ce jeu est totalement incroyable. Franchement, nous nous tordons tous de rire devant l'humour de ce jeu. Ah, pas mal. Bah non, c'est 16. On casse ces pyramides soi-même. Bye.
c'était déjà prévu que je perdais pas mal de temps sur ce split. Ah bah oui, ça passe, hein. Quand je suis pas en mode là pour couper les pyramides ça passe, hein, dis donc. Allez, normalement, sur le dernier split, je suis censé gagner du temps. Merci pour cette participation, monsieur Amate Saruk. Je dirais même Amate Seru. Comme dans Naruto. Eh putain, à chaque fois faut que je fasse cette connerie. J'en ai marre de moi. Voilà, donc le fait de mettre le focus sur la micro, la minimap, me permet de vous téléporter directement devant Snowhead. Raison pour laquelle je suis allé là-bas tout à l'heure. Même IRC énerve maintenant. Ah, il est privilégié de l'IRC. Maintenant, vous ne me pouvez plus. Allez, nous sommes sur la fin de la run. Normalement, c'est la partie. Ici, c'est la partie que j'ai le plus strain de la run. Donc ceci devrait donc bien se passer. J'ai préféré la jouer safe. Là ça partait très très mal. Tiré pour le marathon, le bot qui le massacrait sur les de massacrer sur les caps lock. C'était très dur à faire ce champ. Hein. Bon, très bien le jeu, t'as pas envie de le log, pas de soucis, hein, écoute. Je vais pas aller contre ton envie, hein, écoute. Nous avons chacun nos envies dans la vie, chacun nos délires, écoute. Donc ici, bien entendu, le temps sera très raccourci. Comme tous les autres. Même si le pire reste encore le grip étant, puisqu'on ne fait absolument rien. Alors maintenant j'ai besoin de ceci. De ceci, de ceci, de ceci. Quoi ? Non ! Non ! Non ! Mais c'est littéralement impossible ça. C'est genre s'il faut vraiment ne pas avoir de chance pour que ça arrive, ça. C'est un truc de malade. Oh là 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 là.
Tu vois, c'est 16. C'est à ce moment-là qu'on voit qu'il n'y a pas de modo sur ce chat. Alors, du coup, j'en étais à là, hein. On va bien le prendre large pour éviter que ça revienne, ça. J'étais déjà bon. Ah, j'étais déjà bon. Et voilà, et maintenant nous allons donc... Non, je suis tombé. Ah, j'ai oublié le lock. What? Pourquoi j'ai dit par une photo? Voilà. Et voilà, maintenant, nous allons aller vers la fin de la run et donc, je l'espère, réussir la Pegaskip. Ah, j'ai trop reculé, tiens, d'accord. Excusez-moi, nous avons rien vu ici, il ne s'est rien passé. Pourquoi je prends des bons choux? Allez, espérons que ça passe. Easy! Mais ce jeu est trop facile! Voilà, dire ça juste avant ce boss là, comment tu niques? Ah, c'est bon. Allez, c'est le moment de vérité. Est-ce que mon entraînement a payé? Nique ta mère le jeu. À l'opposé de moi, mon gars. Ah putain. Ah, si le jeu, il avait un moyen de me détruire ma run, c'était exactement ça. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Mais exactement, parce que là, en plus, je ne peux pas faire de roulade, donc je ne peux pas me mettre en Goron. Et en plus, du coup, comme il est mort ici. Et qu'il n'a pas bougé. J'ai vraiment eu les pires trucs en fait là. Genre tout ça, je crois que je les ai jamais vus en run. Oh, oh putain de merde! Oh la vache! Alors celle-là,
elle est absolument géniale. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, Marco, sur ce coup-là. Absolument génial. Bon, maintenant, nous avons récupéré tous les masques. Allons chercher les trois. Le jeu n'a pas l'air d'être avec moi là maintenant, ça y est, c'est terminé. En fait, ça. Alors, notre ami le chien, il est où? Allez, viens là, tu vas prendre cher, t'inquiète pas. Je te jure, ce chien m'énerve. Mais putain. Mais sérieux? Mais quoi? Quoi? Merci. C'est karma des segments d'avant, exactement. À la fin de la run, il y aura peut-être une surprise. Alors pourquoi on a un truc à faire? Il y a des fucks parce que tout simplement il y a eu une run. Tout premier PB qui était de 2h20 ou 2h30, qui était vraiment dégueulasse, où il y avait littéralement tous les boss, ils m'ont chié dessus. Donc du coup depuis bah ces suites là sont restées, parce que les suites où il y a des fucks, en fait c'est les suites où il y a les boss en fait.
là pour le moment je suis liberté pour encore. Après Majora à peine hein. On ne sait jamais comment Majora va réagir en fait. Il y a des fois il peut être très gentil et il y a des fois il veut littéralement te défoncer. Le boss le plus RNG de ce jeu va arriver devant moi. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de power crustable est dans un certain désavantage, même si le fait que j'ai la Great Fairy Sword avec la magie, donc du coup avec les super quick spin, sont censés m'aider. Il y a des fois. Ah oui, en fait, il est vrai que avant de battre Majora, je vais gagner un nouvel item. Je me demande quel sera ce dernier item. Non, j'ai pas le masque des dieux, je ne l'ai pas, j'ai juste l'épée des fées, qui est l'item que l'on récupère quand on rend les 20... Enfin, quand on récupère les 20 fées de Stone Tower. J'ai juste cet item-là. Et donc nous allons voir directement Majora, qui dans la version randomiseur, comme on ne peut pas avoir tous les masques pour faire les trials, va nous donner son item tout de suite. Il se trouve que malheureusement l'item qu'il nous donne dans ce Fire Emblem, c'est la bourse à 999 rubis, donc on s'en fout pas mal. Ah raté, c'était l'autre que je voulais. Hey, salut Spooky. Tu arrives donc pour la fin de cette run. Ah, Leila qui est toujours là, toujours présent, toujours debout, rassurez-vous, toujours vivant, toujours la banane, tout ça. Ah merde, putain! Je suis trop con. Je vais niquer le boss de ma. Alors que je peux le faire. Pardon. Je n'ai plus assez de magie. Ouais. Elle est violente l'épée sur lui en vrai. Bah oui, je suis con, mais l'épée elle est violente sur lui. Quoi? Je suis mort quoi? J'étais
touché par quoi là? Bon. Allez, la dernière partie du boss. Putain, j'avais le lock. Je l'avais locké. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Ah là là, yes! Dommage pour le sub 1.40, mais. C'est terminé! Majora a été vaincu. C'est beau! Alors, je suppose que Nusa va vouloir reprendre rapidement. Donc, du coup, concernant la surprise. Eh, merci pour le host, boss host. Pour le host, pour le follow, boss host, qui est maintenant souple. Et donc, concernant la petite surprise qui va arriver, merci beaucoup pour le follow. Je vais jamais réussir à finir ma phrase. Concernant la surprise qui va arriver, donc. Désolé, ce n'est pas le zapping. J'ai essayé hein, de le finir pour aujourd'hui, réellement. J'ai vraiment essayé. Malheureusement, il est encore loin d'être ce que j'ai en tête. Donc du coup, le zapping numéro 2, ce n'est pas pour maintenant. Mais, parce que je ne suis pas un salaud et que je vous ai promis quelque chose malgré tout. Ocarina glitch, je peux faire ça. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non, je suis trop con. Je suis trop con, j'en ai pas, c'est pas content. Oh non. Bon écoute, tu te calmes, non on n'ira pas chez H&M, j'en ai rien à foutre, non, repose ça, tu n'auras pas ma carte bleue, lol, merde, c'était pas le bon sens, ah bah non, ah... Surprise, motherfucker! Wow! What the fuck? Wow! Jeu de merde. Ah! C'est Sephiroth, non, je crois pas. Et qu'y a-t-il là? Spider-Man. Split, sur ce split, dans le PB. Je croyais on avait dû attendre de gagner du temps.
Wow! Longue vie au roi. Je veux des chaussures. Wow. Le sommet du moulin à grains. C'est un moulin à grains, ça. Wesh. Aïe. Ouais, bah c'est le moment. Ouais, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, après tout. Un petit tacle de temps en temps. Ça peut faire la diff. Je vais faire un truc très débile. De jamais se prendre la cutscene, que je ne me suis jamais prise. Alors, s'il te plaît, le jeu. Entre Jack qui voulait me montrer quelque chose de formidable et toi. Oh ta mère! Oh! Mais elle était là-bas! Mais tu t'y attends pas! Ah! Put! Wow! Wow! Ah mon dieu! Jeu de merde. Toi aussi elle t'a fait flipper? Car ce que vous touchez, petite main. Car le père est tout là-haut. Ça va mal finir, je pense. Ah ou direct, y'a pas de grrr, y'a pas de. Et si tu manges pas de suite, ça va être froid quoi. Je perds tellement de temps, à chaque fois je fais toujours ce même fail et ça m'énerve. Putain, mais... Ah oh, mais mec, mais... Mais genre, je fais un combo de fou et après je mise tout, voilà. C'est ma vie. C'est excellent. Putain, mais... Oh mais mec, c'était la plus belle paix pour... Mets-toi à zéro. Et voilà, ceci était pour le moment un aperçu du prochain zapping qui va donc arriver. J'espère que celui-ci vous aura donc plu. Je me suis bien éclaté à faire ces parties-là, surtout la dernière partie avec Snowy. Ah là là, Leïla qui pense encore que je vais faire une vidéo, c'est mignon.